franc-maçonnerie, c'est le centre de l'union, c'est le point de rassemblement de tous ceux qui sont inquiets de la société dans laquelle ils sont et puis qui essayent, au travers des difficultés de leur présente, de deviner l'avenir. Ça, c'est la façade. La façade sociale, la façade humaine présentée par la franc-maçonnerie. Pour beaucoup, la franc-maçonnerie, c'est avant tout un immense pouvoir. Quel est-il exactement? Ce pouvoir, il est diffus. Et en fait, il a évolué au cours de ces 200 ans, n'est-ce pas ? Au XVIIIe siècle, c'était le pouvoir des idées qui, à ce moment-là, agitait le monde. La franc-maçonnerie réelle, qui part de 1776 avec le groupe des Illuminati en Bavière. Tout au cours du 19e siècle, il est évident que la maçonnerie a joué un rôle excessivement important dans les conseils du gouvernement. C'est eux qui avaient comme élèves à cette époque-là et qui ont financé Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau et qui ont mis sur pied la révolution de 1789. Qu'on ne pouvait pas constituer un gouvernement sous la Troisième République sans être auparavant venu ici prendre les directives, n'est-ce pas? Les mots liberté, égalité, fraternité ont été d'abord pensés dans les loges maçonniques. Exact. Ils ne sont pas sortis comme ça le jour au lendemain de quelques individus. Et la Charte des droits de l'homme qu'on retrouve à l'heure actuelle sur la planète et qu'on retrouve aussi au niveau des Nations unies est une charte qui a été pensée par les francs-maçons dans les loges maçonniques au 19e siècle. Très peu qui essaient de comprendre ce que ça veut dire. Bon, moi, évidemment, je ne parlais pas hébreu, mais quand on m'a balancé un code en hébreu, j'ai voulu savoir ce que je disais. Hein. Voilà. Quand on commence à les traduire, on se rend compte qu'on va vraiment vers quelque chose de très orienté. On va dire association, pour ne pas dire secte, maçonnique, interdite aux non-juifs, c'est-à-dire uniquement... servait aux juifs, s'appelle donc le Bénébérit. Il y a bien eu, contrairement à ce qui a été dit pendant des années, un accord entre Albert Pike, et donc entre le rite écossais ancien et accepté, et le Bénébérit, et ça va même beaucoup plus loin que ça, parce qu'on a retrouvé des chartes et des preuves de tout ça. Donc effectivement, on peut dire qu'au-delà du 33e degré, il y a autre chose. On peut dire qu'il y a 33 et 33 bis peut-être, mais on voit bien qu'il y a un écrémage. Alors il y a effectivement des codes qui sont quand même... ma vie, le grand Israël, c'est bon, ça devient assez surprenant. Et donc il disait qu'il fallait nous appliquer une théorie qui était le tititainment, tits pour la poitrine, et entertainment, c'est-à-dire bercer les gens, la population, avec la désinformation. Il disait bien la nourriture physique et mentale, c'est-à-dire bercer les gens comme un enfant sur la poitrine de sa mère. C'est-à-dire en gros nous endormir.